Eh, wesh les potes, c'est Bayombo, comment tu vas? Moi ça va tranquille, blablabli, blablabla. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo, un peu coup de gueule, un peu critique, appelle ça comme tu veux. De toute façon, tu verras le titre de la vidéo qui voudra tout dire. Donc c'est une vidéo qui concerne Amine Hugo, donc je vous fais un peu de pub si ça vous dérange pas. Donc voilà, hein, Amine Hugo, donc voilà, j'ai un mot à dire pour eux. C'est que je les suivais. Ils avaient, je sais pas, 30 000 abonnés ou peut-être 20 000 abonnés. Là, ils en ont presque 90 000. Donc, je vous suivais, j'aimais bien vos analyses critiques sur les premières écoutes de différents artistes, notamment ROH2F, qui est un de mes rappeurs préférés. Et donc, voilà, plus ou moins, vous avez souvent dit des choses plutôt correctes sur lui, même si, voilà, aussi vous disiez des trucs du genre qu'il sait pas ce qu'il veut et tout ça. Mais bref, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que vous, récemment, vous avez sorti, donc je vais dans vos vidéos, vous avez sorti, voilà, Rof dans le vrai. Donc vous avez sorti une première écoute de Rof dans le vrai, en fait. Donc je vais, voilà, on va vous passer là, manière de voir vos têtes là. Surtout lui, je commence à. Lui, je l'aime pas, lui là. Toi là, toi, je t'aime pas. Comment je t'appelle déjà? Amine. Amine, toi, je t'aime pas, tu vois. Lui, encore avant, il aimait bien Rof, tu vois, mais là, il commence à parler mal un peu. Mais écoute. L'histoire, c'est quoi? C'est que vous êtes des hypocrites, en fait, les Amine Hugo, là. Vous êtes des hypocrites. Pourquoi? Parce que dans le vrai. Alors, ça, c'est une critique, là, que je fais. Enfin, c'est une analyse, entre guillemets, appelle ça comme tu veux, frère. C'est un truc, là, que je fais uniquement par rapport à la vidéo qu'ils ont sortie sur Rof dans le vrai, première écoute. Parce que faut dire ce qui est. Quand ils ont sorti Détrôné, je sais pas s'ils ont analysé Détrôné. Je sais plus s'ils ont analysé Détrôné. Mais en tout cas, ils avaient dit. Ou Broly, ça, ils avaient plus ou moins kiffé. Il y avait quand même des critiques, tu vois, alors que quand ils ont fait la première écoute de Booba Tron, ils étaient là, ils étaient en kiff et tout, ouais, j'ai même dislike. Ils étaient en kiff, ouais, c'est du lourd et tout. Bref, ils avaient dit, ouais, c'est du lourd et tout ça, ouais, c'est trop bien, nanana. À chaque morceau, frère, à chaque morceau, ouais, c'est du lourd. Pourquoi c'est du lourd? Parce que c'est Booba. Parce que Booba a une image comme quoi c'est du lourd, ça y est, juste parce que c'est Booba. Frère, si Booba il aurait sorti dans le game, enfin dans le vrai, et que là, à la place de Rof, il aurait écrit Booba, tous les deux mecs là, ils auraient kiffé hardcore. Là, ils ont fait un extrait, enfin ils ont sorti la première écoute, et tu sais, à chaque fois ils coupent, ils laissent des passages et ils coupent. Et le passage, frère, à 2 minutes 40, frère, là je te le sors là, frère, quand Rof il kick sec, quand Rof il kick sauvage, ils l'ont pas mis, frère, dans leur première écoute. Je vais te la mettre, frère. Ils l'ont pas mis. Comme par hasard, ils l'ont pas mis, frère, alors que c'est le meilleur passage, tu vois. Et ils l'ont coupé, et ils étaient là, ouais, bof, bof, alors qu'on sait que le frère il a tout niqué. Écoute. Attends. Voilà. Tu vois ça? Ce gros bail comme ça là? Comment il kick hard? Eh ben eux ils l'ont pas fait, tu vois, dans leur première écoute là. Ils l'ont pas fait. Et lui là, c'est un hypocrite. Donc vous les gars, vous êtes des hypocrites. De plus, je sais plus c'est quelle interview là. Une fois, je les avais vus, ils sont passés dans Okam TV. Comme par hasard, Okam TV, qui dit Okam TV dit Booba. Ils ont sorti. Je crois qu'ils étaient ensemble avec Booba, un truc comme ça. Enfin, franchement, je me rappelle plus trop. Mais il me semble que vous étiez à côté, un truc comme ça. Bref, en tout cas, voilà, vous êtes passé chez Okam TV. Okam TV, Booba, hop, si Rof sort dans le vrai, ben vous allez critiquer ça, voilà. Donc en gros, vous êtes des lèches bottes de Booba. Faut dire ce qui est, hein, vous êtes passé dans sa radio, voilà, vous léchez. Hein. Première écoute, tout le monde a kiffé, 300 000 vues, voilà, ça a fait des vues, tout ça, tout le monde est content. Voilà, ça a buzzé, Booba il a kiffé, maintenant Rof, vous aimez plus. Donc voilà, faut dire ce qu'il y a, vous êtes des hypocrites, vous êtes des putains d'hypocrites. Donc arrêtez de mettre des premières écoutes, parce que vos premières écoutes, elles sont fausses, frère, les gars, vous êtes là, vous faites les hypocrites. Frère, c'est la fouine Rof, voilà, vous aimez pas, frère. Quand il a sorti Culture Urbaine, même pas. C'était quoi qu'il avait sorti? Hors de contrôle. Même pas, vous faites la première écoute hors de contrôle. Bref, voilà, ça c'est des vrais. Genre lui là, Loïc, toi frérot, là, je sais pas comment tu t'appelles. Regarde, tu sais quoi, un petit like pour te faire plaisir. Lui, ce gars, tu vois, il dit vraiment les choses vraies, tu vois. Lynx aussi, tu vois, je regarde pas trop ses vidéos, mais il dit des choses vraies, tu vois. Et mais Amine Hugo, c'est des hypocrites. Simple, voilà, c'est des hypocrites, faut dire ce qui est. Maintenant, Amine Hugo, je vous remets votre chaîne, là, je sais pas où aller, où. Je sais pas où aller, votre chaîne, là. Non, sur Cam TV, ça. Bref, je vous remets, je vous fais de la pub encore un peu.
Bref, voilà, Minugo, c'est des hypocrites. Vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. Quand Rof sort un single ou quoi, vous êtes là à le tomber. Ça y est, vous avez un petit peu de notoriété là, vous faites les malins. Bref, arrêtez les critiques sur Rof. Je suis pas là à défendre Rof, mais sur ce coup-là, dans le vrai, vous m'avez déçu. En fait, je suis pas d'accord avec vous parce que Rof, je suis désolé. Voilà. Voilà, ça je suis désolé, tu le fais passer dans ta vidéo. Eux ils ont laissé quoi? Ils ont laissé ça dans leur vidéo. Ouais, ils ont laissé le couplet où il est en mode de cool, tu vois. Et ils ont laissé le tchik-tchik-tchik. Ah. Ils restaient là, ouais, j'aime pas les tchik-tchik. Ah. J'aime pas, ça fait vieux. Ils commencent à critiquer les beatmakers, frère. Oh, critique pas les beatmakers comme ça. Les beatmakers, ils mettent du temps à faire des instrus, tu vois. T'en as, c'est des professionnels, ils savent, ils ont l'habitude. Mais pour faire une instru, frère, ça met du temps, tu vois. Donc arrêtez de critiquer les beatmakers. Tu vois, allez-y, vous téléchargez FL Studio 12 là et faites-nous un petit instru qu'on rigole. Voilà, donc critique pas les gens comme ça. Moi je vous critique parce que je suis youtubeur comme vous. Mais voilà, critique pas les beatmakers comme ça. Voilà, ça se fait pas. Sur ce, abonnez-vous et j'arrive sur YouTube bientôt là. Parce que voilà, je fais pas trop de vidéos parce que YouTube c'est pas ma vie quoi. Allez, ciao.